Le documentaire ouvre et découvre qui je suis. C'est un livre-jeu avec des petites devinettes. Il faut deviner de quel animal il s'agit, avec des petits indices. Je suis accrochée comme un petit sac sous une feuille par un fil de soie très fin. Qui suis-je? L'animal est dedans. Là, il y a un indice. As-tu deviné? Je te montre. Un papillon. Bravo. Le petit sac se déchire et je me tortille pour en sortir. Quand mes ailes de ce sac, quand mes ailes seront sèches, je m'envolerai pour me régaler du nectar des fleurs. Le papillon, quand ce sera le moment, le papillon déposera ses œufs sur une feuille. Alors les œufs de papillon. De toutes petites chenilles en sortiront. Elles vont manger, manger, manger et grandir jusqu'à devenir bien plus grosses, regarde la différence. Et chacune s'enveloppera dans un petit sac accroché sous une feuille par un fil de soie et prête à devenir un papillon comme moi. Une autre devinette. Je viens juste de naître et je suis aveugle. Je suis blanc et rose et si petit que je pourrais tenir dans une seule de tes mains. Qui suis-je? Un indice ici. C'est, tu as deviné, c'est le petit. C'est un ourson polaire. Je vais rester dans ma tanière jusqu'au printemps. Je serai alors plus grand et plus fort. J'irai avec ma mère chasser le phoque sur la banquise. Quand je serai adulte, je chasserai tout seul. Je vais tellement grandir que mes pattes seront grandes comme des assiettes, aussi grandes qu'une assiette, chaque patte. Un hiver, je me ferai une tanière dans la neige. Et à mon tour, j'aurai des bébés blancs et roses. Une autre devinette. Je suis rond et blanc comme une balle de ping-pong. Je repose sous le sable chaud. Sous le sable, qui suis-je? Voici les œufs. Ici, un indice, c'est un bébé tortue. Je perce la coquille de mon œuf et je sors au grand jour. D'abord, ce sera la course vers la mer avec mes frères et sœurs. À la nage, nous parcourrons l'océan pendant des années au cours desquelles je grandirai. Et quand je serai devenue très grosse, je reviendrai à la place où je suis née, à la plage où je suis née. J'y déposerai mes œufs blancs et ronds comme des balles de ping-pong dans le sable chaud, dans un trou. Une autre devinette. Je ne suis qu'un petit point noir dans une goutte de gelée, flottant dans une mare. Il y a plein d'indices. Qui suis-je? Regarde. Et là, un autre indice. Tu as deviné? Je montre. Un têtard. Je me tortille hors de ma goutte de gelée et j'agite ma queue. Je nagerai dans la mare et mes pattes de devant apparaîtront. Regardez, là, des pattes maintenant devant. Et ensuite, celles de derrière aussi vont apparaître. Puis, je perdrai ma queue et je deviendrai une toute petite grenouille. Et quand je serai devenue beaucoup plus grosse, je pondrai des œufs qui ne seront que des petits points noirs dans une goutte de gelée. La dernière devinette, je suis tout acheté et pas plus gros qu'un grain de raisin. Qui suis-je? Alors là, c'est facile. Avec les indices, ça, on a déjà fait ça l'année dernière en plus. Un oisillon. La coquille de mon œuf se fêle et se brise. J'en sors le bec grand ouvert pour réclamer de la nourriture à mes parents.
Mes yeux vont s'ouvrir. Puis, mes plumes pousseront. Et bientôt, je déploierai mes ailes et je m'envolerai. Et l'année suivante, je ferai un nid pour y mettre mes petits œufs tout achetés. Te souviens-tu du nom de cet oiseau? Eh oui, c'est la mésange bleue.